Permettre qu'il s'approche encore de Daniela, qu'il lui fasse du mal. Mon amour, Daniela, ma chérie, mon amour. Tu vas le payer, vieux salaud. Tu vas me le payer. Bien, bien. Oui, Santiago, je sais que tu n'es pas d'humeur à aller à un événement de cette nature, mais bon, ta présence est nécessaire. Il faut consolider la nouvelle image de l'entreprise. Luciano, tu veux que moi j'y aille en sachant qu'il va y avoir mon père et Sandra? Non. Non, je ne veux pas. Il faut que tu fasses un effort, Santiago. Vas-y, Tony. Santiago? Oui, Karina, c'est moi. Tu es seul? Il n'y a personne de la famille autour de toi? Non, non, il n'y a personne. Vas-y, raconte-moi. Bien voilà, il faut que tu m'aides. J'ai besoin que tu me protèges des parents. Bonsoir, chère madame de Paulina. Je vous en prie, entrez. Merci, madame de la Diablesse. Vous êtes ravissante et bien éduquée. Non, pas ainsi. Regardez-moi, s'il vous plaît. C'est très simple. La seule chose que tu as à dire aux invités, c'est... Bonsoir, madame. Merci de nous honorer de votre présence. C'est un plaisir. Ah, attends, attends, tu veux dire un plaisir comme... Ensuite, quand les invités se sont installés à table, tu te rapproches lentement d'eux pour leur demander « Vous désirez autre chose ?» Êtes-vous bien installé? Rappelle-toi, toujours avec le sourire. Un sourire détendu, s'il te plaît. Bonsoir, madame. Merci de votre présence. C'est un plaisir. Ce plaisir est partagé, chère madame. Quoi? J'ai pas bien fait? Si, tu l'as fait merveilleusement bien. Tu désires autre chose? Un café tout à l'heure, mais pour l'instant ça va. Merci. Alors, très chère sœur, comment se fait-il que tu ne sois pas à New York? Je vis avec Oscar. Mais je vais très bien, Santiago. Je suis heureuse. Je suis en train d'apprendre à vivre réellement. Je l'aime. C'est... Oui, c'est le plus grand amour de ma vie. Karina. Mais c'est pour ça que je veux que tu m'aides. Je ne sais pas si un jour les parents apprennent que je ne suis pas à New York, ils viendront me chercher. Je ne sais pas quelle va être la réaction de papa et peut-être qu'il fera du mal à Oscar. C'est pour ça que je suis ici. Oui, je vais t'aider. Je ne veux pas qu'il t'arrive la même chose que moi et Daniela. Est-ce que tu la vois? Non, pas besoin. Je pense à elle systématiquement. Après vous. Non, non, après vous. Non, 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 après rien, chère madame. On va bien s'en sortir. Daniela va être une excellente hôtesse ce soir. Après vous. Monsieur Diego, moi, ce qui m'inquiète, c'est son amie. Elle fait femme des cavernes, monsieur. Rendez-vous compte, s'il vous plaît.
son influence est très mauvaise pour Daniela. C'est sa meilleure amie, en fait. Elles sont presque sœurs. Non. Et en plus, elle me plaît beaucoup. Monsieur, mais essayez de comprendre tous ces efforts dont je fais preuve. Il n'y a pas de mais qui vaille. Daniela et Paulina vont être prêtes pour l'événement de ce soir parce que ça, c'est ta responsabilité. C'est bien compris? Oui, monsieur. Excuse-moi. Allez-y, monsieur. Non, arrête! Je ne sais pas comment je vais faire ce soir pour résister à la tentation de tout balancer à Louisa et à papa. Tout le mal qu'ils ont fait à la famille. La double morale, non? Oui. Et ce qui m'énerve le plus dans cette histoire, c'est que papa dit que maman a un amant. Il se fait tard, Oscar n'a pas appelé, je crois que je vais y aller. Même si tu ne me crois pas, je suis une femme très occupée. Et cette femme occupée, j'imagine qu'elle a besoin d'argent. J'adorais faire la femme digne, mais la vérité, c'est que j'en ai besoin. Prends, Karina. Merci. Ne disparaît pas dans la nature. On va rester en contact. Marraine, je suis vraiment nerveuse. J'aimerais tellement que tu sois avec nous. Ce soir est une nuit importante pour moi. Ce soir, je vais être d'égal à égal avec la famille de Santiago. On va être pareil. Ils vont me voir comme une femme. Comme une grande dame, c'est ce que dit Alexis. Tu es une grande dame, ma chérie. Tu vaux mieux que tous ces gens. Tu sais, j'ai fait un rêve, Marraine. Tu veux que je te raconte? Mon rêve, c'est que ce soir, Santiago me demande de revenir parce qu'il a demandé le divorce à Sandra. Mais je sais que non. Non, 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 ça n'arrivera pas. Parce qu'elle attend un enfant de lui. Et il ne veut pas la laisser. Maintenant, je l'ai perdue pour toujours. Je suis toujours aussi nerveuse, Marraine. Regarde. J'ai les mains qui tremblent. Et les jambes et tout le reste. S'il te plaît, Horatio, attends-moi. Attends-toi, Horatio, s'il te plaît. Nous devons arriver ensemble à la soirée. Vous car êtes nous devons prêts? Montrer à ces gens que nous sommes une famille. Bien, bien, prête. Prêt, allons-y, allons-y. Rebecca, dépêche-toi, enfin. Je ne peux pas marcher aussi vite que toi dans cette robe. Tu ne te sens pas bien, on reste ici et tu passes toute la soirée avec moi. J'ai une meilleure idée. Pourquoi tu ne te rends pas compte que tu agis comme un imbécile? Et qu'entre toi et moi, il ne se passera plus jamais rien du tout. Non, mais écoute, si nous restons... Mon amour, tu m'impatientes, viens pas... Tenez, tu me rends un service? Tu emmènes Sandra? Une seconde, je suis ta femme et j'y vais avec non, toi. Non, tu ne montes pas dans ma voiture. Eh bien, tu vois, je t'avais pourtant prévenu, Sandra. Si j'étais toi, je me libérerais de Santiago une bonne fois pour toutes. Non, c'est jamais. Il va arriver à m'aimer, tu vas voir. J'attends quand même son enfant. Mais tu ne me la fais pas, moi. Et une fois pour toutes, je vais éclaircir tout ça. Je sais parfaitement bien que tu n'as jamais fait l'amour avec Santiago. Ce qui veut dire que l'enfant que tu attends est de moi. Et tu vas le lui dire. Ça n'est plus la peine, Tony. Je viens de tout entendre. Pertinemment que cet enfant est le tien. J'espère au moins que tu auras la décence. Attends, attends, Santiago. Ton frère est cinglé, je te jure. Je ne sais pas pourquoi il dit ces idioties. Tu vois ce que ça engendre? Mon amour, cet enfant est le tien, je te le jure devant Dieu. Que veux-tu que je fasse? Écoute, ce qui se passe, c'est que Tony est amoureux de moi depuis de nombreuses années. Je n'ai jamais fait attention à lui, c'est pour ça qu'il est comme ça. Lui, ce qu'il veut, c'est nous séparer. Écoute, s'il te plaît, crois-moi, Tony. C'est vrai, Tony. Au moins, agis comme un homme et regarde-moi. Tony, dis-lui que cet enfant
n'est pas le tien. Dis-lui que tu as inventé ça parce que tu veux nous séparer. Dis-lui! Oui, c'est vrai, Santiago. Tout ce que Sandra dit est vrai. L'enfant qu'elle attend est bel et bien... de toi. Tu vois, je te l'avais dit, mon amour. Parce que tu es bête. J'ai très bien entendu quand tu as dit que tu étais le père de cet enfant. Tu sais quoi, Tony? Je te crois. D'ailleurs, merci, frérot. Parce que tu m'as rendu un fier service. Je ne sais pas comment tu vas faire. Mais ou tu résous ce problème, ou tu vas le regretter pour le restant de tes jours. Monsieur Diego ? Quoi, tu me trouves ridicule ? Ou je dois... Tu es... magnifique. Et véritablement... ravissante. C'est bon ? Ah, pardon, Augustin, bonsoir, comment ça va ? Très bien, bonsoir, monsieur. Bon, nous y allons, quoi ? Oui. Daniela ? Je ne sais pas. Comment vous ne savez pas ? Nous devons arriver avant parce que sinon, on avait décidé que nous arrivions tôt. Tu sais comment sont les femmes, non ? Elles aiment se faire attendre. Oui, ça c'est clair. Nous sommes prêtes. On y va? Prends ma main. Tu te la prends comme ça? Je vous prie. Me feriez-vous l'honneur, s'il vous plaît, mademoiselle, de m'accompagner? Bon, je mérite mieux que ça, hein, mais bon, ça me va. Allons-y. Plaisir de te voir ici. Je devais venir. J'avais besoin de te voir. Tu es... waouh, tu es magnifique. Merci. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Non, je te jure. Ce n'est pas un vain compliment, je te jure. Tu es très, très, très... Tu vas me gêner. C'est pourtant vrai. Je t'en prie, entre. Oui. Je retourne dans le hall où je dois retrouver un ami. Il m'a dit qu'on s'y retrouverait et... d'ailleurs, je vais l'amener ici pour que tu le connaisses. C'est un chouette type. Je suis là. Hein? Quoi? Tu regardes quoi? Je suis grosse, tordue ou quoi? Non, tu es... tu es parfaite. Merci. Non. J'arrive. Oui, c'est moi. J'ai un autre travail pour toi. Attends. Bien, je t'appelle demain dans la matinée. Oui, demain dans la matinée. Qu'est-ce qu'il y a ?
Tu sais qui est l'organisateur de cette soirée? Bien, un de tes nombreux amis snobinards, pourquoi? Non. C'est ton pire ennemi. L'organisateur, c'est Diego Montenegro. Santiago. Ah, Luciano. Et ta femme? Mieux vaut qu'on ne parle pas d'elle. Et s'est passé quelque chose? Tu as besoin d'un coup de main? Non, non, pas de panique. Je n'ai jamais aimé ce genre de manifestation. Tu peux m'excuser auprès de tous? Tu viens à peine d'arriver? Non, Luciano, je ne peux pas. Je ne veux pas rentrer. Je n'aime pas ce genre de fête. C'est vrai, excuse-moi. Dis-leur que je me sens mal ou... C'est d'accord. Parce que je dois y aller. T'inquiète pas, oui. Je vais leur dire, mais donne-moi 5 minutes. Ah, je vais te présenter la femme dont je t'ai parlé. Non. Attends, ne me dis pas que tu as amené une femme ce soir. Non, je ne l'ai pas amenée. En réalité, elle est ici. Et en la voyant, tu vas comprendre pourquoi je suis comme je suis pour elle. Juste 5 minutes, elle nous attend là-haut. Oui? D'accord, je vais faire ça pour toi. Allons-y. Comment est-ce possible que tu aies accepté cette invitation? Ce type nous a tout bonnement tendu un piège, je sais ça. Il veut nous provoquer. Je m'en vais. Non, tu ne vas nulle part, reste ici. Ce sont tous nos amis de toujours. Nous n'allons pas passer pour des faibles en fuyant Diego Montenegro, c'est d'accord? Écoute, je suis sûr que ce type a préparé quelque chose, Horacio. S'il te plaît, nous ne pouvons pas rester ici. Si c'est le cas, je n'ai pas peur de lui. Et en plus, qu'est-ce qu'il va croire un ex-tola? Tu te calmes. Ok. Et dire que je ne voulais pas venir, où est-elle? La femme merveilleuse. Mais là, en face de toi, regarde-la. Daniela? Bonsoir. Attends, tu la connais? Oui, c'est Daniela. Je ne savais pas que vous vous connaissiez. Luciano? Pourquoi tu ne m'as jamais dit que tu étais l'ami de Santiago? Mais parce que je ne savais rien, je savais même pas qui tu étais. Maintenant tu sais que c'est Daniela, la femme que j'aime. Santiago, il me semble que nous devons parler. Je veux dire, la plus logique c'est que nous parlons, toi et moi, je ne savais rien. Et Luciano, nous devons parler. Il faut éclaircir tout ça. Écoute, si je ne t'ai rien dit, c'est parce que je ne savais pas comment elle s'appelait. Je... Ah. Bon, Daniela, il y a un problème? Non, tout va bien. Vous entrez? Luciano et moi, nous devons parler. Oui, il me semble que nous devons parler. Alors viens. Tout laisse à croire que cette conversation va se terminer avec des coups. Je ne savais pas qu'il était l'ami de Santiago. Ce n'est pas Luciano Rodriguez? Ah, c'est l'avocat d'Exportamex. C'est contre lui qu'on se bat, monsieur Diego. Sandra! Ne me touche pas, laisse-moi tranquille! Où est passé Santiago? Je ne sais pas où il est passé, fichu la paix, ne va pas oublier les choses. Ça alors, comment ça va? Bien, et toi? Bien. Donne-moi une seconde, s'il te plaît. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies fait ça. C'est pas réglo, Luciano. Santiago, tu ne peux pas me reprocher ça. Je ne savais pas que justement, elle, c'était Daniela. C'est d'accord, imaginons que tu ne savais rien, maintenant tu sais. Alors tu restes aussi loin que possible d'elle. Non, Santiago, tu ne peux pas me demander ça. Je veux dire, je suis prêt à faire n'importe quoi par amitié, mais pas ça. Tu sais parfaitement quelles sont mes intentions avec elle. Tu sais quoi, Luciano? Je me fiche de quelles sont tes intentions. Éloigne-toi de Daniela parce qu'elle est à moi. À toi? Oui. Mais enfin, Santiago, elle n'est pas un objet. Elle n'est pas estampillée comme ta propriété. Daniela est une femme libre qui a tous les droits de refaire sa vie. Après tout le mal que tu lui as fait, Santiago, toi-même, tu me l'as dit. Luciano, je te l'ai dit parce que je croyais que tu étais mon ami. Et tu utilisais ces informations contre moi. Non. Santiago, je n'ai rien utilisé contre toi. La seule chose que je te dis, c'est que... il faut que tu te rendes compte que tu es un homme marié. Santiago! Voilà d'ailleurs Sandra pour te le rappeler. Oh, mon amour. Écoute, on doit parler. Non, fiche-moi la paix. Sois tranquille. Tu te débrouilles vraiment très bien. Oh, monsieur Diego, j'ai très peur que ces deux-là en arrivent au point. D'ailleurs, ça ne te semble pas franchement étrange que Luciano ne t'ait pas dit qu'il travaillait pour Santiago? Je ne sais pas... Ah, cette fois-ci, c'est la bonne.
J'ai droit à la tribu au complet. Rebecca, Sandra, Louisa, je suis très heureux que vous soyez venus. Pardon, Diego. J'ai presque la nausée. Je ne savais pas qu'on était invités au bal de la Cour des Miracles. Ah oui? Pourtant, le bruit circule que tu seras la reine de la soirée. Regardez un peu ce que je découvre ici. Ce n'est ni plus ni moins que notre chère petite diablesse en personne. Je ne t'avais pas reconnue, tu sais. Sans doute parce que tu n'as pas ouvert la bouche. Il ne fait aucun doute. Il ne fait aucun doute qu'une truie, même maquillée, reste une truie. La diable, madame. Je suis la diable. Je vous laisse la compagnie des truies. Ce que tu peux être ordinaire. Bien, bien. Diego Montenegro, qu'est-ce que tu trafiques, hein? Horacio Rodriguez, pas de mauvais sang. D'ici vraiment peu de temps, tu vas le savoir. Ce dont tu peux être sûr, c'est que ce soir commence ta chute. Excuse-moi. Mais je t'en prie. Tu t'en es bien sorti, félicitations. Monsieur Diego, je ne sais pas si je peux continuer, je tremble des pieds à la tête. On s'occupe bien de vous? Oui, merci. Il ne vous manque rien? Bon, excusez-moi. Daniela, tu m'accordes cette danse, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu sais, nous ne rendons pas les choses plus difficiles. Non, tout ce qui se passe, c'est qu'il faut que je t'explique ce qui se passe vraiment. Je te jure, c'est un immense quiproquo. S'il te plaît, écoute, Santiago m'avait parlé de toi, évidemment qu'il m'avait parlé de toi. Il m'avait raconté qu'il connaissait une Daniela, mais pour moi, tu n'étais pas Daniela. Tu m'as toujours dit que tu t'appelais la diable. D'accord, mais il n'est pas obligé de s'énerver. Toi et moi, nous ne sommes qu'amis. Oui. Et non, il faut nuancer. Parce que moi, j'ai dit à Santiago que... j'étais amoureux de toi. Tu as entendu ce que cette grosse vache m'a dit? Elle est tellement vulgaire, je te jure. Hé hey. Regarde-moi dans les yeux quand je suis en train de te parler. Fais semblant. Invite-moi au moins à danser pour que les autres invités voient que tu me traites pas mal. Sandra, si tu avais un peu de dignité, tu ne serais pas ici. Ah. Viens. Oui, tu as vu? Tu as vu ce qu'il m'a fait? Tu réalises ou pas? Sandra va penser que tu es folle. Non, mais calmez-vous. Attendez, attendez. Vraiment, complètement. Calmez-vous, je suis pas folle. Non. Tu ne sais plus ce que tu dis. Évidemment que je sais ce que je dis, Daniela. Oui, je sais que Santiago est mon meilleur ami, mais je suis prêt à le perdre pour toi. Tu sais quoi, ceci est très incommodant pour moi. Daniela, tu m'as raconté ce qui s'est passé entre vous. Santiago aussi m'a raconté ce qui s'est passé, et oui, je connais votre histoire, et... de Qu'est-ce ce fait... Dit l'unique chose que je peux te dire... Daniela, tu dois te donner une chance de refaire ta vie. Et moi, j'aimerais Luciano, beaucoup... tu sais quoi, ceci? Vraiment, je ne peux pas. C'est incommodant. Tu m'accordes cette danse? Ben, dis-moi. Maintenant, oui, je crois que c'est le début des problèmes. Ben ça, ils sont maintenant deux à se battre pour elle, c'est ça? Je crois qu'on devrait se rapprocher au cas où, non? Oui. Rapproche-toi, un peu. Diego, c'est bon, oui, c'est bon. Je dois agir vite. Ces deux jeunes imbéciles vont se tuer pour... Daniela. Non, du calme, Diego. Du calme, il ne se passera rien. Comment il ne se passera rien? Tu ne te rends pas compte que Santiago compromet ma petite Daniela, et si ce n'est pas lui, ça sera Rebecca ou Sandra. Il semble qu'ils veulent lui faire passer un sale moment. Tu sais quoi? Laisse-la décider seule. Elle est assez grande, elle sait ce qu'elle doit faire. Calme-toi. Calme-toi. Viens là. Regarde. Cette fille ne manque vraiment pas de toupet. Je te jure, elle provoque une nouvelle fois Santiago, c'est vrai. C'est quand même un homme marié. Tu te calmes. D'ailleurs, va demander à Sandra... de ne pas se rendre ridicule en tournant tout autour de Santiago. De quoi tu parles? Nous n'allons certainement pas tomber dans le jeu de Diego Montenegro. Tout ceci est une farce, enfin. Enfin, de Il quoi se joue que tu du tout, et c'est tout. Ah, ça, bien sûr, non, que non, oui. On ne va pas le laisser. Bien sûr. Évidemment. Est-ce que tu veux danser? Tu vois? Regarde-la. Comment elle regarde Santiago. C'est impressionnant, elle a toujours été. Toi non plus, ne me laisse pas. Sandra, viens par là. Tu vas arrêter de te rendre ridicule et retourner à notre table. Horacio te demande expressément de ne rien aller reprocher à Santiago, c'est bien compris?
Bien sûr. Crois-moi, je vais faire beaucoup mieux que ça. Est-ce que tu as vu la tête que fait toute la famille? C'est clair, essaye d'imaginer. Jamais on aurait pensé que l'organisateur était le pire ennemi de papa. Même si tu sais, le pire c'est Sandra, non? Oui, c'est assez vrai. Mieux vaut qu'on en profite. Non, maintenant qu'ils dansent tous les deux, à tous les coups, il va y avoir une réconciliation. Ça, j'espère que non, hein. Non. En fait, il a joué cette carte-là tellement de fois avant. C'est vrai. Non, moi, ce que je dis, c'est que Daniela mérite mieux que ça, quelqu'un plus comme elle, non? Ça, oui, c'est bien vrai, elle mérite bien mieux que ça. D'ailleurs, moi, je crois que nous méritons tous le meilleur. Toi, tu mérites le meilleur. Ah, je te regarde. Ce que tu as de beaux yeux, non, je te jure. Non, je te le dis sérieusement, en ce moment, tu ressembles à une princesse et tu es toute ravissante et bon. Et... Bon, Paulina, à vrai dire, tu me plais beaucoup. Arrête, Augustin, hein. Bah quoi? Tu sais, depuis quand je te fais du rentre-dedans et tu m'as jamais regardé comme ça, hein. Quoi? Mais t'es super naze. Pourquoi tu ne... Ah! Je ne me battrai ni contre toi ni contre Luciano. Tu n'as pas besoin de te battre contre lui. Nous ne sommes que des amis et tu sais quoi? Mieux vaut qu'on n'en parle plus. Tout ça n'est qu'un malentendu, Santiago. Viens là, Daniela, écoute-moi. Aujourd'hui, j'ai appris que... 1, 1, 1, 2, test micro. 1, 2, test. 1, 1. 1, test micro. Oui. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Dani, ma chérie. Diego. Pardonnez-moi de monopoliser ce micro, mais vous voyez... Je n'ai pas pu résister à la tentation. Très bien. Dani, je vois que tu as réuni pour cette soirée toutes nos relations communes et... Et je vais en profiter pour vous annoncer une nouvelle qui est magique, qui est merveilleuse. Mon amour. Senti, je peux? Merci, mon loulou. Voilà. La grande nouvelle, c'est que Santiago et moi-même attendons notre premier enfant. Et nous sommes plus amoureux que jamais. Nous n'avons plus rien à nous dire, Santiago. Chaque fois que tu me fais une promesse, ton épouse fait son apparition et détruit tout. Daniela, crois-moi, tout ce que raconte Sandra n'est qu'affabulation. Crois-moi. Mon amour. Toi, tu ne te fatigues pas d'être ridicule. Tu ne comprends pas? Vous savez quoi, mon amour? Vous avez beaucoup de choses à régler. Daniela, s'il te plaît. Non. Bonsoir à tous. Votre attention, s'il vous plaît. Je voulais délivrer ce discours plus tard dans la soirée, mais vu que cette chère Sandra m'a devancé, je vais profiter de l'opportunité. Avant toute chose, je veux vous remercier tous d'être venus ce soir. Ce geste signifie que vous êtes réellement prêts à oublier le passé et vous comprendrez que ça me touche véritablement beaucoup. Ici, je vois des visages d'amis indéfectibles avec lesquels ma femme et moi-même avons passé d'agréables moments. Vraiment, je vous remercie d'être venu et de nous soutenir pour cette noble cause. Maintenant, pour pouvoir oublier pour de bon le passé, je dois gommer de toutes vos mémoires une énorme injustice. Horacio Rodriguez, il y a 20 ans, tu m'as volé toute ma fortune en te servant de frauduleux mensonges. Je te considérais comme mon ami. Et toi, tu as profité de ma confiance. Tu m'as alors volé tout ce que j'aimais. Malheureusement pour toi, j'ai ici tous les documents qui le prouvent. Oui, ils prouvent formellement ta trahison. Alors aujourd'hui, devant ce parterre de famille et d'amis, je veux te prévenir que je vais récupérer absolument tout ce qui m'appartient. Je veux te reprendre la maison où je vivais. Les entreprises qu'avec tant de véhémence tu dis posséder depuis toujours. Et qui en réalité, bien sûr, sont à moi. Horacio, tu n'es rien d'autre qu'un sale voleur.
Paulina ! Paulina ! Paulina ! Pourquoi tu ne réponds pas, Paulina ? Paulina ! Mais enfin, qu'est-ce que tu trafiques ici, mon garçon ? Paulina, je veux voir Paulina. Tu vas faire venir la police ! Rentre vite, rentre vite à la maison, allez ! Mais je te dis de rentrer ! C'est bon. À quoi tu penses ? À toi, je te jure ! Mais t'es sous ! Tu vois pas que je suis amoureux de Paulina, maman ? Tu rentres tout de suite à l'intérieur ! Paulina ! Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. S'il te plaît. Attends ici. Ah, Diego, Diego, Diego. Tu crois franchement que tes invités vont plus croire à la parole d'un ex-tolard que la mienne ? La majorité de mes invités étaient mes amis avant que je n'aille en prison. Et s'ils sont ici aujourd'hui, c'est parce que ils croient en mon innocence. Nous allons voir si c'est vrai, tu me permets ? Merci. Mes amis, je vous demande une seconde d'attention, s'il vous plaît. Je voulais vous faire savoir que ceci n'est rien d'autre qu'un acte désespéré de la part de Diego Montenegro pour me déposséder de tout. De ce que j'ai construit au bout de tant d'années et de tant d'efforts, ce monsieur me déteste. Et ça s'explique par le fait que j'ai découvert la fraude qu'il a commise il y a 20 ans. Tout ceci n'est qu'une mascarade pour me discréditer, mais vous autres, vous savez très bien qui je suis. Je fais partie de votre cercle d'amis depuis longtemps. J'ai été dans vos maisons. Vous savez parfaitement bien qui est ma femme, Rebecca. Qui sont mes enfants. Santiago et Anthony. Mes amis, je vous demande du fond du cœur de ne surtout pas croire ce que vous dit Diego Montenegro. Ne vous faites pas berner par cet acte, je vous l'ai dit, désespéré, pour récupérer une honorabilité que ce monsieur n'a plus. Et d'ailleurs, rappelez-vous que ce monsieur vient de sortir de prison. Merci beaucoup. Faites bien parler, papa! Allons-y. Allons-y, Rebecca. Monsieur Diego. C'était quoi ça? Pourquoi vous ne m'avez rien dit? Tout ce que vous avez dit est vrai? Oui, c'est la vérité. Vous réalisez que vous m'avez inclus dans votre mise en scène et que ça fait de moi votre complice? Tu as toujours été d'accord pour m'aider dans ma vengeance. Je sais, mais vous avez fait énormément de mal à cette famille, vous ne réalisez pas? La famille de cet homme m'a envoyé 20 longues années en prison pour un crime que je n'ai pas commis. Dis-moi, Diego. Tu peux m'expliquer ce que c'est que ce cirque ? Non, ce n'est pas un cirque. Tout ce que je dis est vrai, et en plus, je n'ai pas à te donner une quelconque explication. C'est là que tu te trompes, Diego. Parce que tout ce qui touche à ma famille et à nos entreprises, oui, ça me regarde, moi. C'est pourquoi je ne vais pas permettre tes accusations absurdes. Elles ne sont pas absurdes. Tout ce que j'ai dit est absolument vrai. Je pense défendre ma famille, et ça coûte que coûte. Je vais m'arranger pour que celui qui en bave le plus dans cette histoire... ce soit toi. Santiago, je t'ai dit une fois que tu avais parfaitement le droit de défendre ce que tu considérais être à toi. Et je vais le faire. Le seul conseil que je te donne, c'est que tu vérifies que tout cela est vrai. Pour ne pas recevoir un sale coup dont tu ne te relèveras jamais. Et toi, Daniela, jamais je n'aurais pensé que tu fasses partie de tout ça. Jamais. Daniela. Ne dites plus rien, s'il vous plaît. Je suis d'accord avec Monsieur Diego, maman. Quelqu'un devait faire taire Horacio Rodriguez, n'est-ce pas ? Tu sais quoi ? Toute cette haine qui ressent Diego va finir par le détruire. Elle va en finir avec lui. Peut-être, maman, mais Monsieur Diego a raison. C'est un sale voleur.
Il lui a volé sa vie, son entreprise, sa liberté, son argent, sa maison. Tu as sans doute raison. Mais Diego doit penser à lui, il faut qu'il pense à sa famille. Et rien de tout ça ne va le rendre heureux. Et ici, entre nous, je vais te dire une chose, moi. Je ne sais pas si je veux être avec un homme comme lui. Comment ? Eh oui, voilà, je te l'ai dit. Santiago, dégage ! Aidez-moi ! Attends-moi ! Dis-moi, c'est quoi ce drame familial ? Est-ce que c'est vrai tout ça ? Allons-y, toute cette histoire m'a rendu un peu malade. Augustin, ramène-moi vite, je n'en peux plus d'ici. D'accord, on y va. Daniela, je vais avec toi, oui ? Oui. Calme-toi, Daniela, hein ? Comment veux-tu que je me calme ? On y va. Quelle humiliation, la pire de toute ma vie. J'ai même failli mourir de honte. Tout le monde me regardait comme si j'étais un animal de foire. Ne me le reproche pas à moi, Rebecca. Reproche-le à cet imbécile. Non, c'est toi le coupable de tout ça, Horatio. Tu croyais que Diego n'allait rien faire contre toi cette soirée ? Tu croyais qu'il n'allait rien faire ? Et qu'il allait rester les bras croisés après que tu lui aies fait passer 20 ans en prison ? J'ai la tête qui va éclater, Rebecca, alors tais-toi, s'il te plaît. Tu as laissé trop de traces et de preuves derrière toi. Comment as-tu pu être aussi négligent, Horatio ? Tu aurais dû détruire les documents qui t'accusent une bonne fois pour toutes. Tu ne sais même pas de quoi tu parles, Rebecca, enfin. Pourquoi est-ce que tu ne te tais pas ? Je ne me tais pas. Parce que grâce à toi, maintenant nous allons être la risée de tout notre cercle d'amis. Cet incident, tu crois qu'ils vont l'oublier rapidement ? Non, ils ne vont pas l'oublier rapidement. Personne ne va le croire, lui, plus que moi. Parce que tu n'as pas écouté les commentaires de tous les invités, tu ne les as pas écoutés. Ils se sont rappelés de comment était Diego avant son passage en prison. Et crois-moi, ils sont prêts à lui donner le bénéfice du doute. Ce que tu es bête. Ah, je te jure, ce que tu es bête, Rebecca. Derrière-moi, Zakel. Poussière, quel bazar, c'est tellement sale maintenant ici. Si Daniela était encore là, elle aurait fait le ménage. Oh, Michaela, comme tu me manques désormais, je n'ai plus personne à qui je peux parler. Oh non, vraiment, Otilia, je te dis, cette maison est pleine de saloperies partout. Dans ce qui reste, il n'y a plus rien que je peux vendre. Et moi qui me croyais archi-millionnaire avec Bépino, quel salopard celui-là! Il a profité de moi! Mais il n'a plus jamais intérêt à montrer le bout de son nez dans cette maison parce que je vais le recevoir comme il le mérite, sale ordure! C'est qui? C'est moi, adorable donzelle. Je peux entrer? Bah oui, entre! Oh oui, mon Pépino. J'étais justement en train de me rappeler de ton adorable personne. D'ailleurs, je t'attendais. Non, c'est vrai, ma douce Dulcinée. Tu pensais à moi. Tu m'attendais. Et pourquoi ? Pour te casser toutes les dents qu'il te reste. Non, attends. On ne se paye pas ma poire, on ne se ment pas. Non. Attends. Non, ma Dulcinée, je t'en prie. Attends. Non, pitié. Frappe-moi. Mais ne renie pas ton amour. C'est clair, je vais te frapper. Ton amour, tu sais où tu peux te le mettre. Allez, sors, je ne veux plus jamais te revoir ici, Pépino. Et si je te revois, je te jure que je te tue, pauvre salaud. Espèce de vieux pervers. Profiteur de femmes fragiles et sans défense. Ne pleure pas, ma chérie, ça me déchire le cœur de te voir comme ça. Ne sois pas triste, Sorette. C'est terrible ce qui s'est passé, mais... Tu vas voir que demain, le soleil va se lever plus beau qu'aujourd'hui. J'ai l'impression que tout me tombe dessus, Paulina. Je ne suis plus sûre de rien. À quel sujet ? Je ne sais pas si j'ai bien fait de venir dans cette maison. Je ne sais pas, j'ai l'impression que je n'aurais jamais dû venir. Je suis en colère contre Monsieur Diego pour ce qu'il a fait. Non, ne te fâche pas contre lui. Si Horatio a fait tout ce qui a été dit dans cette soirée, alors il avait le droit de se défendre.
T'as pas oublié comment il nous a traités? Hein? T'as pas oublié qu'il nous a jetés de chez lui à coups de pied au derrière? Non, ça je n'ai pas oublié. Hein? Alors? Tu devrais être reconnaissante à Monsieur Diego pour les avoir remis à leur place, cette bande de débiles. Je comprends ta peine, ma chérie, parce que ça signifie des adieux définitifs à Santiago. Tu sais, je pleure parce que... cette situation m'éloigne pour toujours de Santiago, pas vrai? Désormais, Santiago va sortir de ma vie. Ça ne sert à rien, ces larmes. Ça ne sert à rien parce que moi et Santiago, nous nous sommes perdus il y a longtemps. Mais tu l'aimes comme personne et ça, ce n'est pas facile à oublier, Daniela. Et moi qui croyais comme une idiote que j'avais encore une chance avec lui. Mais je ne vais plus attendre qu'il laisse Sandra et qu'il revienne avec moi et les bébés. Je ne vais plus attendre ma reine. Tu es une femme courageuse, Daniela. Tu l'as toujours été. Carmen, pourquoi tu n'essaies pas de comprendre les raisons pour lesquelles j'ai agi de cette manière aujourd'hui? Non, je comprends parfaitement pourquoi tu l'as fait, Diego. À cause de cette haine que tu as contre Horacio et toute sa famille. Et qui te consume à l'intérieur. Et la seule chose qui en résulte, c'est que tu agis comme un pauvre type. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Mais tu es un homme intelligent, Diego. Pourquoi tu as fait ça? Tu réalises ce que tu as fait? Tu es en train de détruire la vie de ta propre fille pour une stupide vengeance. Carmen, celui qui a détruit la vie de ma fille, c'est Santiago en se mariant avec Sandra plutôt qu'elle. Moi, je ne cherche qu'à lui donner du bonheur. Non. La seule chose que tu fais, c'est la tirer dans le même puits dans lequel tu es enfermé. Un puits profond duquel tu ne peux pas sortir facilement. Non. Au contraire. Je suis en train de la sortir de l'enfer dans lequel elle a vécu toutes ces années à cause de cette satanée famille. Je suis en train de lui offrir une nouvelle vie. Pleine de haine comme la tienne? Carmen, je t'en prie, comprends-moi! Pour que Daniela et moi puissions enfin être heureux, je dois lui prouver que je suis innocent. Il s'agit de l'assassinat de sa mère. Il est important qu'elle sache que je ne suis pas le coupable de cet horrible homicide. Et si je ne lui prouve pas que je suis innocent, jamais, non jamais, nous ne pourrons vivre ensemble. Non, Carmen. Ma vengeance vient à peine de commencer. Je ne me reposerai que lorsque j'aurai réussi à prouver qu'Horacio Rodriguez est un horrible assassin. Et à quel prix, Diego? De ce que tu as fait aujourd'hui? Carmen, au prix qu'il faudra. Bon, alors, quel film a enregistré Otilia? Ah.